Ok, première panne, fielding again. I don't know what's going on. In the middle of nowhere, of course. I don't have tools. Me neither. Fielding. I knew it would be like that, but I wish it's me the problem. How do you open it? Adam sent it to Arizona. Yeah, Arizona? Yeah. He sent it to Arizona. Yeah. So you should not drift tomorrow with. So what's up? The other one gave up? Yeah. What the fuck? Sometimes I blow 14. Okay, it's Mexico, but it's written Mexico. Mexico! Apparemment, il y a le relais qui chauffe un peu. The relay is over 80. This is not a very good street car. Actually not. I've driven it for 4 hours and broken down twice. Yours was built by Chevrolet, mine was built by me. Alors regardez bien mon système, parce que tout ce qui est électrique sur une Corvette, ça marche pas. Donc forcément on a mis un boulon. C'est mon pote Brian Page Howell. I wanna thank him. J'ai envie de remercier mon pote Brian qui m'a trouvé ce petit truc. There's a cop coming. There's a cop. Hello. Not so bad. Yeah. Better. Yeah. Here's a gas station right now. Oh, thanks for stopping. Yeah. Yeah. So he bought one and came over here, and we're showing him a good Texas time. Let's go. Yeah, we good. Let's go. Sandia Speedway, nous y voilà. J'ai hâte de rouler là-dessus. Bon, apparemment, c'est à côté d'une déchetterie parce que j'ai jamais vu autant de camions poubelles faire d'aller-retour. Il y en a un devant, un qu'on vient de croiser, un derrière nous qui arrive là. Ouais, il est là. Vous voyez comme dans les films, ces camions poubelles là. Voilà, enfin arrivé à Sandia Raceway. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas? On a plein de voitures de drift, on rejoint tous les copains. La Mustang de JZ qui est là, la 350Z, la Lexus SC300 de Aaron. Ici il y a Adam LZ qui est juste là en train de vérifier ses pneus. Demander Fielding s'il y avait un réservoir d'eau. Aaron? Hello? Hello? Is it possible to take the other part of the track? To do a different part, you mean? Yeah, there is another track here. Yeah, you can do it. Just make sure no one else is on track when you're doing it. Does that make okay. sense? Okay, so you my have friend to have to stop the traffic. Or me, I have to stop to drift this turn. I don't drift this one. Okay, just don't come through here fast. Yeah. Because someone will pull out and just total. Yeah, of course. Okay.
le sentais mal tout à l'heure. Je vais pas vous rien dire, mais je le sentais trop mal. Deux. Mais quand elle a chauffé tout à l'heure, c'est pas normal, ça l'a pas fait avant. On met un joint neuf, on serre et on voit, non? Ouais, mais elle va se chauffer, mais ouais. Ah, si on démarre là, ça sent pas mieux. Ok, donc la Corvette, elle a eu un problème. Première surchauffe, les ventilateurs se sont défaits. On a remis de l'eau, on a repurgé, on est reparti. Deux tours après, c'est remis un peu à chauffer, mais beaucoup moins. C'était pas dans le rouge ni rien, mais bon, c'était au-dessus du milieu. Et là, d'un coup, la voiture a perdu de la puissance. On est rentré au stand, elle a calé, et ça, ça sent pas bon. Je savais que les LS pouvaient être des moteurs à soucis, même si on dit qu'ils sont fiables. Tous mes copains qu'on a eu ont tous été emmerdés. Le truc, là maintenant il faut qu'on continue l'aventure, on est qu'au deuxième circuit, il y en a d'autres à faire. Les prochaines journées je pense pas faire de drift parce que forcément j'ai pas de voiture et je compte pas en demander aux autres pilotes, c'est pas le but. Par contre, pour faire le road trip, on a trouvé une solution. Ma voiture va aller sur un plateau. Il faut que je la ramène absolument jusqu'à Grange pour que mon pote Brian puisse venir la chercher parce que c'est pas très loin de chez lui. Et que là, on est à 1000 km. Donc, vous comprenez que je vais pas la laisser ici au milieu du désert. Voilà. Donc, il me faut une voiture pour faire le road trip. Et j'aimerais remercier du fond du cœur, vraiment. Et tous ceux qui me suivent, profitez-en, rajoutez-le sur les réseaux sociaux. Dites-lui que ça a été très sympa de sa part. C'est Chelsea Denofa. Voilà. Chelsea Denofa m'a proposé de prendre sa voiture pour faire le road trip, pour l'amener jusqu'au prochain circuit. Et du coup, il prendrait ma Corvette sur sa remorque, qui est là-bas, qui est tirée par ce pick-up, voilà, par le Dodge Ram. Et voilà, donc là, on va lui changer une rotule de direction parce qu'il a cassé ça, et c'est pas très compliqué à faire. Donc on va lui changer ça, pour que la voiture roule correctement et qu'elle ne soit pas dangereuse. Et on va faire le road trip avec ça, suivre les copains et lui amener de circuit en circuit. Et à Grange, normalement, Brian devrait m'amener une Z3 qu'on pourra partager, on pourra rouler tous les deux. Et puis la Corvette finira chez lui et je prendrai une décision sur la route si on trouve un moteur pas trop cher ou si on trouve une solution. Bref, voilà. On va rouler avec la voiture à châssis de Nofa quand même, c'est pas rien. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Par contre, il n'y aura pas de radio dans celle-là, ni de siège chauffant, ça va être dur. Hein. Pas de CIK. Et pas de CIK non plus, c'est vrai. Bon ben voilà. Donc là, on va finir de changer la biellette. Ouais. On repart à la voiture de Chelsea de Nofa. Le 36 compact. Il y a le soleil qui se couche. Il fait froid. Il y a du vent. Et j'aime pas faire la mécanique, mais j'en fais parce que je suis pas riche.
Axel. Ouais, mais ça me fait chier. Hein. Ouais, j'aime pas quand les gens sont pas attachés. Puis il n'y a pas d'harnais, donc c'est la ceinture de route de ce côté. Donc on va voir quand on va arriver, peut-être récupérer un harnais ou démonter. Mais là, elle est bloquée, ça fait 3 heures que je tire dessus. Donc bon. Et la voiture est bruyante. Ouais, la voiture casse les oreilles, il y a un sifflement là d'air. Je crois du toit ouvrant là, ça nous siffle dans les oreilles depuis 4 heures. C'est quand que ça tourne? Là, ça fait une demi-heure qu'on roule, il n'y a même pas eu le quart d'une grande courbe. Et qu'on a le soleil dans la gueule. Et ouais, parce qu'on va vers l'ouest. Du coup, on va se prendre le soleil dans la gueule. Et j'y vois rien du tout parce qu'on est des idiots. On a oublié de nettoyer le pare-brise. On se disait, ah, on voit pas bien à travers les vitres, elles sont sales et tout. Ça fait 3 heures, on se dit ça. Tu vois que ça nous vient à l'idée de s'arrêter et nettoyer les vitres. Non. C'est ça. Les blaireaux, des fois, on n'est pas très malin.
s'attend pas à un miracle, hein, ça va faire du gros bruit. Hein. C'est bon ? Ouais. Oh oh ! Salut à tous, je suis dans la merde. J'ai pété ce moteur. Voilà, il est cassé, donc là on est en train de tout démonter pour gagner du temps. Aujourd'hui on peut pas rouler alors qu'on est dans un endroit magnifique. Il y a un circuit de fou là-bas derrière. C'est un circuit privé pour les milliardaires. On a été invité à faire du drift, donc j'ai suivi le convoi, mais je peux pas rouler. J'ai besoin de votre coup de main. Je suis pas du genre à demander de l'argent et rien donner en retour. Donc ce que je vous propose, c'est de m'acheter ces plaques d'immatriculation. C'est des vraies, hein. Elles ont été portées sur des voitures, des pick-up, etc. J'ai taxé ça dans une casse automobile. Ce que je peux faire, c'est vous les signer, ça vous fera un beau souvenir. Et en échange, eh bien, écoutez, elles sont à vendre 50 euros. C'est clairement beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais ça me permettrait de me filer un gros coup de main, de continuer l'aventure et de partager ça avec vous par le biais de nos vidéos, de nos posts Instagram, etc. Donc, je mettrai toutes les descriptions sur la vidéo. Le PayPal, comment envoyer les sous, quand est-ce que vous recevrez ce souvenir. Vous pourrez l'accrocher, bien sûr pas sur votre voiture, sinon vous allez vous faire arrêter. Mais vous pourrez mettre ça au-dessus de votre lit, dans vos chiottes ou n'importe où, tant que ça vous plaît. Et tant que vous trouvez que c'est un souvenir sympa. Voilà, moi je sais que Lise va m'arracher la tête parce qu'elle voulait que je lui en ramène. Parce que nous on aime bien ce genre de décoration dans notre maison. Mais bon, voilà, j'ai vraiment besoin de votre aide. Donc c'est la seule solution que j'ai trouvée pour récupérer 3 sous et pouvoir m'aider à payer ce moteur qui va me coûter 3000 balles. Et si je pouvais vendre quelques plaques comme ça, ce serait toujours ça de prix pour mettre de l'huile, pour changer les 3-4 trucs qui vont pas. Merci à tous ceux qui vont m'aider. Je vous aime. Bon, on va commencer à démonter. Axel est chaud, moi aussi. Ça va le faire. On veut la revoir rouler avant de repartir en France quand même. Ah, c'est obligé, au moins avant de repartir en France, même si on rate tous les circuits. Mais... C'est pas qu'on n'a pas drifté avec, mais bon, on était quand même bien chaud là avec. Yeah. Yeah. Troisième journée circuit. Il y a de plus en plus de problèmes, ce qui est logique, hein, c'est de la statistique. Une voiture, au plus ça roule, au plus il y a de chances que ça casse. Et donc au plus on va s'avancer de la fin et au plus il y aura des pannes. Là ça a été aujourd'hui Dustin qui a pété son différentiel. Il a pété net, il manque des dents. Je vais vous montrer. Et ils ont un doute aussi sur la radio de transmission qui s'est peut-être fissuré. Un arbre en aluminium.
Et le diff, on le voit là, qui a pété, il manque des dents. Il y a les morceaux là à côté. Voilà, avec les morceaux. C'est pas très beau. Mais bon, on le sait tous, hein, les S13, les différentiels de S13, jusqu'à une taille de pneu en 2,35, ça pose pas trop de soucis. À partir du 2,45, 2,55 avec des gommes qui accrochent, on commence à casser des différentiels. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé sur ma S13, l'Interceptor, quand avant je roulais en 2,35, j'ai jamais eu de soucis. Et le jour où je suis passé en 2,65 un peu dégonflé, ben, j'ai pété mes premiers différentiels. Et Fielding, avec sa S14, pareil, différentiel cassé, je l'ai aidé pour le changer, donc là on l'a changé. Et par contre, tout ce qui est serrage et tout ça, je lui laisse faire parce que normalement, le serrage, c'est au propriétaire de le faire. C'est à son entière responsabilité. Donc c'est pour ça que là, je le laisse terminer tout seul. Voilà, donc on l'a changé tout à l'heure. Et l'autre différentiel, on l'a pas ouvert. Donc on sait pas comment il est cassé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est cassé. Les tulipes, elles bloquent. Voilà, elles veulent plus tourner, elles sont bloquées. C'est le drift, c'est de la merde. J'ai pris plein de fumée dans la gueule. You should cool it down. I was trying to get it hot. Ah, okay, why? To see what the temperature does. And what it does. So this gauge is saying it's at almost 250 now. Yeah. And the factory one is still saying it's in the middle. Yeah, it's normal. The so factory is shit. It will move when it's too late. That's what we're saying, is the factory's been moving. Eh oui, les jauges d'origine de température aussi, c'est de la merde. Voilà, ça te dit que ça chauffe pas alors qu'en fait ça chauffe. Bref, les voitures c'est de la merde. Il ne faut pas aimer ça, sinon vous allez niquer votre vie. So yeah, we're working on the Corvette engine. It's almost finished. Everything, all the ancillaries are coming out. And oh, yeah. I'm just Axel. You're in it. A little bit. I hate it. It's gonna be okay. Radiator is out. J'ai viré ce radiateur. And bye bye. More airflow now. J'ai vraiment besoin de votre aide pour ce moteur. J'en ai trouvé un. Le truc qu'il a, c'est que le moteur coûte un peu cher là-dessus. Ça vaut 2 500 $. Bon, ben, je vais monter je vais monter dans ma voiture préférée qui est juste là. Allez, on est parti. Oh, alors là, ressort. C'est comme ça. Ça, c'est là. We
Bozo. Bozo, taxi. Yeah, Bozo.